Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Toi, tu sais, c'est Heroes. D'ailleurs, on est plein, on a besoin de visibilité. Ouais, abonne-toi à la chaîne, mets des likes et compagnie. Allez, salut. Non, je déconne. Partez pas tout de suite, bande de cons. Il y a des infos qui vont tomber. Vous le savez, on est lundi. Du coup, lundi, c'est les news. Alors, du coup, ça va s'afficher à votre écran pour la soirée. Un truc qui était censé arriver il y a une semaine, mais qui n'est pas arrivé parce qu'en fait, ils ont changé ça à la dernière minute. Loul. Donc, nous aurons le droit à une superbe bannière rerun sur la SEA qui laisse montrer notre petit orphelui qui mène des prés. Tiens, on va partir sur ça, ouais. Avec notre poteau le papillon. Et je viens de me rendre compte que sur la news de la SEA, ils ont mis papillon PA 2PI 2L. Bah, bref, papy. Pion. Avec plein de P. Très rigolo, donc Papillon, Mew et notre ami Orphée ensemble de retour. Quoi d'autre? Les joues, n'est-ce pas? Du chapitre 35 et de sa side story. Nous aurons aussi la version difficile du story mode qui est disponible et qui sera ouvert jusqu'au chapitre 32. Un nouveau système qui s'appelle Material Dungeon of the Needle Raid. Et t'es en mode je comprends pas, donne un nom simple. Un nouvel event qui s'appelle The Inverted World qui sera sûrement en relation avec nos deux crétins. Au-dessus, un nouveau Cosmo available in the shop, Sharpness. Vous allez voir, alors surtout si c'est payant en coupon, on s'en bat les couilles. Pour moi en tant que free-to-play, sinon nous verrons en fait demain en détail ce qu'est ce petit Cosmo intéressant. Jamir Champion 6 Reward Update. Nous. Est-ce qu'ils vont changer en fait les rewards du Jamir? Auront-ils droit à la multi-magique de la globale sur la SEA? Ou est-ce qu'ils vont mettre v'là les récompenses et ça pourrait peut-être motiver encore plus les gens à essayer de gagner le Jamir? On ne le sait pas. Donc nous verrons ça demain en termes de... Comment ça s'appelle? En termes de clarification. Le Cosmo Jade Light sera ajouté au Shrine le mardi et le dimanche. Donc ça, ça fait plaisir pour tous nos personnages éventuellement... supports qui ont besoin d'être extrêmement rapides pour faire leur job et rien d'autre. Donc on va partir sur de la Shaina, on va partir sur du Ichi et compagnie, éventuellement Luna si t'es en perte de double speed etc. et que t'arrives à sortir des speeds sur Jet Light, c'est toujours bon à prendre, surtout c'est du SS. Bon, ce sera une crevette le perso hein, en termes de HP, mais ce n'est pas bien grave. Et nous aurons enfin l'Alchimie saison 2 qui va s'ouvrir. Nous verrons ce que c'est cette merde, puisque la première saison c'était de la grosse doudou. Bref, fin des events pour la SEA, pour une fois qu'on a une véritable update, ça fait zizir toi-même, tu sais. Passons maintenant à la globale. Le temps attendu, plus grand SS de tous les temps, capable de refaire ton plancher, tes murs et même ta toiture, sans oublier les poutres, Il ponce, le triple S débarque mercredi comme annoncé. J'ai la flemme de faire un photomontage sur Paint avec le changement du nom, mais vous le voyez, c'est il ponce, il a là, n'est-ce pas, personnage complètement à chier d'après certaines personnes sur la globale comme Derka, DBL et d'autres comme Samine Nesrasre ou je sais pas quoi, enfin bref, des champions qui te crachent sur le personnage avant même de l'avoir joué. Magnifique. Pensez donc à le skip, bien entendu, pour laisser à Degen, Nonix, Topirate et compagnie, enfin toutes les whales du Jamir, l'opportunité de vous rouler dessus, littéralement, en Galactic Duel, pour les mois à venir. N'oubliez pas, faut le skip, et faut skip aussi Jimmy Cannon, parce qu'au final, il pue la merde, parce que c'est un Gémeaux, voilà. Et là, je me suis mis une grosse partie de la communauté qui ne me regarde pas à dos, pas les couilles. Enfin voilà, j'espère que les news vous auront plu. Comme vous le savez, demain nous nous retrouvons en stream dans l'après-midi pour pouvoir tester la nouvelle mise à jour arrivée sur la SEA. En attendant, portez-vous bien, bon courage à ceux qui verront poule sur Iponce. N'est-ce pas le meilleur personnage de tous les temps, sachant que votre Lucky Cat arrive début juillet, c'est-à-dire 2 jours avant la fin de sa bannière. Courage à vous, et moi je vous dis à demain. Allez, bye.